Bonjour à tous. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Si quand on va la troïque, on salut pour moi, ton voisin. Au PC, l'ingan, les voisins de Mena, on vote. On souhaite les une grande bénédiction de la part de Dieu. Pambola et puis les pambolieux, bon, guéroute et pan en Zambé. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel bon en Zambé. Merci pour les bases que l'homme de Dieu a déjà mis, que nous avons sur lesquelles nous allons poser nos briques. Matonde bona moboko o moto na Nzambe ya Jaji o bisonde likolo na moto kwa kubakisa kwa biso mabanga lokola. Je voudrais parler de la saison de oui oui. Wana ina lobela eleko ya iyo iyo. Partout tu passes on te dit oui. Bisika nyoso lokaba lobano iyo. Comme tu as besoin d'argent. Nous avons besoin de connexion avec les gens. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu que vous ayez cette pensée, cet élan. D'entrer dans des connexions et de savoir que vous sommes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Allez avec cet élan-là, que cette fois-ci, ça va marcher. Amen. J'ai dit ça va marcher partout. Amen. Lorsque ça marchera, c'est alors que ça va aussi marcher à l'église. Je suis en train de sentir les gens appeler les pasteurs et dire et Simbi. Les pasteurs au pluriel, ils vont appeler, ils vont commencer à dire ici ça marche déjà. Je ne sais dans quel domaine. Le message de ce matin, c'est un message prophétique, mais aussi un message d'encouragement. Je ne sais pour qui nous prophétisons. Mais je suis sûr que je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je ne sais où il se trouve. Mais je déclare. Que la saison où nous approchons et c'est une saison de oui, oui. Quand tout y va aller, on dira oui. Amen. Avant que je parle de oui, oui, Yambona le bela, iyo, iyo. Je vais d'abord te dire que ta vie, c'est un chapitre. C'est constitué à plusieurs chapitres. Ezali bosangisi ya mikapo ebele. Lisons Actes des Apôtres chapitre 16 verset 1 à 10. Je lis Actes des Apôtres. Mokambi na mayanga ndi ya zwimu sana batoma zomi na motoba nzela yoko kino zomi. Chapitre 16 verset 1 à 10. Motei yende ya zwi misana batoma zomi na nipoa. Ensuite ça sera Actes 19 8 à 12. Mwambe kino zomi na mibale. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle à un père grec. Le frère Lystre et Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par le ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et en étant empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient entre Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas pendant la nuit. Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédonie. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois,
il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforça de persuader ceux qui écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il cria devant la tumulte des voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannis. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Fermons la Bible. Nous allons commencer la prédication. Je suis en train de dire que je voulais parler d'abord des chapitres. En lisant les livres ou en lisant la Bible, tous les chapitres ne t'appartiennent pas. Quand tu lis un livre, tu lis la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit là, ça ne t'appartient pas. Mais parmi ces chapitres, il y a de ces chapitres qui vous est destinés. Il y a d'autres qui peuvent lire en passant. Tandis qu'il y a des chapitres où tu te diras que je suis concerné, ça peut t'attirer ou ça peut t'intéresser. Si le chapitre est introduit, et que le dernier chapitre est conclu, il y a aussi le chapitre de développement. Entre ces 3 parties, il y a une partie qui peut t'intéresser. Qu'est-ce que je vais dire? Je voulais dire à quelqu'un que dès la naissance jusqu'à la mort de quelqu'un, sa vie est constituée de chapitres. Est-ce que vous entendez? Oui, okay, j'ai dit dès la naissance de quelqu'un jusqu'à sa mort, sa vie est constituée de chapitres. Le chapitre 1, il est né. Mokapo na yambo abotami. C'est un chapitre. Et ça, mokapo. Le chapitre 2, il a grandi. Mokapo mi bale akoli. C'est un chapitre. Et ça, mokapo. Le chapitre 3, il a étudié. Mokapo mi sa atani. C'est un chapitre. Et ça, mokapo. Le chapitre 4, il travaille. Mokapo mi ne atako sala. Et ça, c'est un chapitre. Et ça, fait mokapo. Le chapitre 5, il a voyagé. Mokapo mi tano abebuki. Il a fait marier. C'est un chapitre. Et ça, mon capot. Le chapitre 6, il a mis au monde. Mon capot, c'est un chapitre. Et ça, mon capot. Le dernier chapitre. Mon capot, Asuka. Il est mort. Akufi. C'est la conclusion de sa vie. Voilà, les bons moyens de ce voilà ce qui est constitué dans la vie de quelqu'un. Il y a mon talent de l'aider au monde. Toute sa vie est constituée de chapitres. Bon, moi, il n'y a pas de capot. Bah, ça, c'est si capot. Tu peux raconter l'un de ces chapitres. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que dans chaque chapitre, il y a une histoire et il y a des choses qui les constituent. Dans chaque chapitre de la vie de quelqu'un, il y a une histoire particulière qui fait l'ensemble d'un chapitre. Tu peux raconter sa vie pendant qu'il était à tel endroit. Tu peux raconter sa vie pendant qu'il grandissait. Tu peux raconter sa vie pendant qu'il étudiait. Dans chaque étape de la vie, il y a des choses qui constituent cette histoire. Et c'est également, sache également que dans chaque chapitre,
Ça se diffère d'autres par les réalités. Yeba été makapo na bombo ina mutu ekesa na kana makapo ina kana kati wana. Aucun chapitre n'est semblable avec l'autre. Yeba atali kapo mokote kubana moninga mosusu. Na chaque chapitre a une réalité. Na likapo na likapo za na likapo na ekesa na mosusu. Ce que tu n'as pas fait dans un chapitre, tu peux le faire dans un autre chapitre. Tu peux échouer dans un chapitre, mais tu réussis dans un autre chapitre. C'est ça la vie d'un homme. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je voulais dire que garde à celui qui vous lit dans un chapitre et fait la conclusion. Nazako ebete mutu oya tanga kayo na mokapo moko pe asili sili solo na ye akeba. Je dis car à celui qui va lire un chapitre, mutu wana akeba kotanga mokapo moko et fait la conclusion. Pe asuki sio wana. Si tu lis un chapitre, so watani mokapo moko. Tu vas encore faire la conclusion. Si tu sana note. Tais-toi. Balagne. Parce que l'histoire continue. Bon, makambo eza kokoma. Tu peux tourner la page. Il y a d'autres chapitres qui vont venir après. On ne te limite pas à un seul chapitre. Il peut encore lire d'autres chapitres. Où l'histoire peut changer. Mais si quelqu'un s'arrête seulement au premier chapitre, toi qui vous d'affirmer mon capomo, il n'a pas lu le développement. Attendez, il s'est pas comme patalité. Il s'est seulement arrêté au développement. À ceux qui n'ont pas la musique, attendez, il m'a comme ça. Il risque d'aller faire un faux rapport. A quoi que ne vous pèse à sa mort, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez? Si vous lisez tous les chapitres jusqu'à la conclusion, vous aurez une autre image. Alléluia. Là où je suis, même qu'un chapitre de ma vie, et Dieu me prépare pour un autre chapitre. Je voulais dire à quelqu'un que ce que tu fais actuellement, c'est que l'Église est en train de traverser. C'est même qu'un chapitre de ma vie. Dieu nous prépare pour un autre chapitre. Alléluia. Peut-être là, le chapitre actuel n'est pas bon à lire. Et pas bon à écouter. Et pas bon à regarder. Et mais il a livré un chapitre. Lorsque tu commenceras à lire, vous ne voyez pas, il faut un livre, quand tu ouvres, tu vois beaucoup de mentions au moins chiffonné, griffonné parfois avec le stylo marqué. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que dans d'autres chapitres, il n'y a rien. Et vous avez dit que c'est pour dire que dans ces chapitres-là, il y a des choses qui ont marqué. Et là, vous avez masqué les lecteurs. C'est pourquoi il a mis ses mains. C'est pour te dire que Dieu est en train de se préparer. Alléluia. La Bible au chapitre 16, quand vous nous dites, tant que les apôtres, l'apôtre Paul, il a l'intention d'aller prêcher la parole en Asie. Thomas Paul, le verset 7 nous dit, le chapitre 16, verset 7 nous dit, quand le Saint-Esprit ne le permit pas, le Saint-Esprit l'empêcha. Il ne le permit pas d'aller en Asie prêcher la parole de Dieu. Oh, donc, la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pendant que Paul voulait respecter cette recommandation,
Cherchons la collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit savait que le moment n'était pas favorable pour lui. Il savait en quand il fallait lancer cet homme. Dans quelles circonstances il va se retrouver là? Comme le temps n'était pas favorable, le roi Yeah.
quoi. Il a que tes vêtements. Avant que je dise ça, la Bible dit quelque part que dans cette même ville, Paul arriva, Paul a commis, on les chassa avec des pierres. Hein? Mais lorsqu'il revient, dans un autre chapitre, on cherche Paul, Paul. La Bible dit que ce qui était avec lui, on cherchait la méthode pour faire échapper Paul. On l'a fait descendre sur dans un panier par la fenêtre. C'est pourquoi certains disent que Paul était de la petite taille. Côté la Kitunga, parce que Kitaye, le col à Mapa, parce que Kitaye, le col à Mio Basombi, mais Paul, yes. Qui a l'avenir, qui a la vision, qui a l'avenir. Oh, la salle est là, comme un camoufle. Ce n'est qu'un chapitre. Et ça, mon capot. On le fait descendre. À qui t'es si. Dans un panier. À qui t'es si. Il ne savait pas. À la yéba. Et le chapitre du ciel. Et le mon capot, comme il a l'imbo. Que juste. Et ça, la carte. Lorsqu'il est réveillé, il a donné la route. Et même aussi. Quand elle est mouba, on l'avait chassé. Avec la paix, on est là, ma barre. On les reçoit. Tu es mal à l'eau. Comme l'homme. Et non, il y a la mort de l'anzame. Alléluia. Yes. Je voulais dire ceci. N'aéba, mouille. Lorsqu'on l'avait chassé. Mais lorsque l'état de oui est à l'arrivée, ils ont oublié. Babos, c'est la même personne. Et là, mon tocard, on fait des saluts dans un pays. Lorsqu'il arrive, il a noyé. Partout, il passait. Il est là, il est là. Tout le monde disait oui. Tout le monde disait oui. Il arrive à Macédoine. On dit oui, il arrive à Macédoine. Il paye, il est partout, il a dit, il a dit, j'ai dit,
moto nyos elle est un poli naba to ba tous elle est un nemi naba nguna et je ne sais qui naba yebe te ba ngel moïse ba ke sima na moto je te dis ya baba malgré que tu es en train de bégayer à cause de ton coup de main toi notre Comment ça va se faire? Et vous savez, 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 ça va se faire? Et vous
Thank you.
prophétise avant que les autres prophétisent. Fais des images dans ton intelligence. Puis l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Nous avons besoin qu'au Cambaruso, pendant les pays, qu'au paiement, d'autres l'Église catholique, son os. Parce que c'est là où il y a qu'on déclaré, il va dire les choses qu'il accrédite. Ce message est aussi une prière en nous dédiant à Dieu. Que cette parole se réalise et s'accomplisse. Dieu t'emballe
dans la ferveur, dans le dièse de cette foi, la foi de cette parole. Pas ici seulement à l'église, mais que ça devienne une partie de ta vie. Et ta vie partout où tu passeras, que tu deviennes fou et fort pour dire, si autrefois j'étais contesté comme Moïse, mais demain c'est moi qu'on acceptera comme l'envoyé de Dieu. Et c'est sur toi. Oui. Si l'Esprit du Seigneur n'avait pas permis à moi, Mabal, à Ndungi, à toi, Bethléem, fils et fille de cette église, de ne pas voir la gloire, et que le demain, le Saint-Esprit nous mette dans cette position. Et ce demain commence déjà sa saison. Et nous le croyons, c'est pourquoi nous l'annonçons. Et nous le certifions. Et ça, problème, il y a le bout de l'humanité. Et ça, problème, avec le chef au de la route. Et ça, problème, avec le sol. Ça suffit pour deux ans seulement.
peu de temps. Seigneur, suffit avec toi pour faire une grande gloire. Que le Dieu de cette parole te bénisse. Amen. Que le Dieu qui a envoyé son serviteur ce matin, que tu as entendu, te bénisse. Amen. Que le Dieu qui t'a placé dans cette église aujourd'hui te bénisse. Amen. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui dans cette église, une onction et une gloire. Je vais commencer.